Bienvenue à tous pour notre célébration annuelle. C'est une joie et un honneur de vous accueillir pour célébrer le premier anniversaire de notre cheminement ensemble sur l'action de la plateforme d'action de Laudato Si. Je suis Maria Virginia Solis Wanish. Je vous parle depuis l'Argentine. Je suis ici en tant que cofondatrice et directrice de la ferme de François et en tant que représentante de l'économie de François, mais également en tant que membre de la plateforme d'action Laudato Si, où je suis également membre du groupe de travail pour l'économie. J'ai le plaisir d'être votre modératrice pour cette journée ou cette soirée en fonction d'où vous vous trouvez. Nous voulons vous remercier de prendre part à cette célébration spéciale. La plateforme d'action Laudato Si nous donne l'opportunité de participer les uns avec les autres internationalement. Et pour cela, cet événement est diffusé en direct, en anglais, avec interprétation simultanée en français, en espagnol, en italien et en anglais. Vous pouvez trouver les liens avec les langues qui vous intéressent sur nos pages Facebook. Pour vous qui nous écoutez, nous vous invitons à vous présenter dans le chat. Dites-nous votre nom et d'où vous venez afin que l'on sache la portée de cet événement. Pendant cette célébration, nous aurons l'opportunité de prier ensemble, apprendre la perspective écologique de la plateforme d'action Laudato Si et la réalisation de notre cheminement ensemble sur la plateforme. Et à la fin de notre activité, nous allons partager la joie de cette célébration sur nos réseaux sociaux. Et pour lancer cet événement, nous voulons commencer en disant une prière ensemble. Et pour cela, je vais inviter la sœur Sheila Kinsey, qui est membre de la plateforme d'action Laudato Si. Elle est membre du conseil directeur et membre de la commission justice et paix. Elle va nous guider en prière. Nous vous invitons également à écrire vos prières en commentaire pendant ce moment. Merci beaucoup pour ce moment de réunion. Dieu, notre Père aimant, tu as tant aimé le monde. À mesure que nous cheminons ensemble en pèlerinage sur cette terre sainte, puissions-nous percevoir les facettes infinies de ton amour, de ta beauté et de ta gloire, qui se reflètent dans l'ensemble de la création, dans tout ce qui vit et respire, dans les fleurs, les forêts, les mers et les étoiles, et dans les visages des jeunes et des vieux. Puissions-nous demeurer en admiration et en adoration devant la grandeur et l'équilibre délicat de l'ensemble de la création. Christ, notre frère, tu as dressé ta tente parmi nous et tu as partagé la fatigue et l'effort de nos travaux. Aie pitié de nous pour avoir abusé des dons de la création, pour les fois où nous avons semé la destruction, la haine et la violence, et apporté la mort à nos semblables et aux autres créatures. Fais de nous des gardiens de la toile harmonieuse de la vie, de ce jardin planétaire et les uns des autres. Esprit Saint, Roi, le souffle de la vie, tu remplis l'univers et tiens tout ensemble. Accorde-nous la sagesse de reconnaître notre interconnexion et notre interdépendance. Et fais-nous grandir en solidarité avec toutes les créatures, particulièrement les plus vulnérables de nos sœurs
et frères. Enflamme-nous d'un zèle renouvelé pour la protection de notre demeure planétaire en péril et envoie-nous comme tes apôtres aux périphéries du monde pour annoncer l'évangile de la création à chaque créature. Inspire et renforce nos actions en vue de la reconstruction de notre maison commune et de nos communautés. Amen. Qu'il en soit ainsi, et nous le disons avec Marie, la mère de la création. Amen. Merci, Sœur Sheila, de nous avoir guidés avec cette belle prière. Et pour la suite, je vais inviter John Manden, directeur de la plateforme d'action La Relate aussi. Il a été nommé par le Dicaster pour le développement humain intégral. Il va nous dire un mot de bienvenue et nous donner des nouvelles de la plateforme d'action La Relate aussi. Bienvenue John, à vous la parole. Merci Marine, vous m'entendez? Super. Bonjour à tous. Ma première diapo, Marine, s'il vous plaît. Alors, ici, vous avez ce point bleu, notre sœur, la Terre, qui a été appelée ainsi par Saint François d'Assise. Elle nous maintient en vie, elle nous donne la vie et elle nous gouverne. Et nous lui sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons, pour tout ce que nous avons reçu de ce magnifique point bleu. Prochaine diapo. Alors aujourd'hui, nous entamons la célébration de notre anniversaire, de notre premier anniversaire, et nos participants dans le monde agissent pour avoir des modes de vie plus durables. Ils agissent pour mettre en œuvre les objectifs de la Relate aussi. Alors, on va commencer par un petit rappel. Il y a un an, la plateforme avait été lancée et depuis lors, 6000 individus, familles et organisations ont rejoint la plateforme et ont répondu à l'appel du pape François à protéger notre maison commune. La plateforme est un outil à notre disposition. Elle nous aide à planifier notre parcours vers une écologie intégrale. Nous vous invitons à rejoindre la plateforme sur le site qui s'affiche à l'écran. C'était juste un rappel des choses qui ont été accomplies. Et nous savons que pendant l'année qui a été écoulée, nous avons eu plusieurs activités, plusieurs événements qui ont affecté le monde. Nous avons eu des inondations flash, nous avons eu les ouragans, des tornades, des vagues de chaleur, des incendies et la sécheresse à plusieurs endroits. Prochaine diapo. Au milieu de tout ceci, notre communauté, la plateforme d'action La Relate aussi a répondu à travers sa passion, son expérience et son savoir-faire pour répondre aux besoins du monde. Et j'aime cette citation car je pense qu'elle nous parle à tous. Nous croyons en ce que nous faisons, nous croyons en l'importance de notre mission et nous croyons que c'est l'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire de notre vie. Prochaine diapo. Alors, comment est-ce que nous procédons? Nous travaillons en posant des actes dans les écoles, dans les salles de classe, hors des salles de classe, dans les entreprises. Prochaine diapo. Parmi les jeunes qui font plusieurs choses pour protéger notre maison commune.
et les jeunes adultes qui se réunissent à travers le monde et qui ont à cœur l'urgence d'agir. Désolé. Nous prenons aussi part, en tant que citoyens responsables, à des actions civiles. Nous avons contacté des représentants du Congrès, des autorités pour leur parler. Prochaine diapo. Nous avons également développé, et nous continuons de développer, la plateforme d'action Laudato Si. Juste pour rappel, c'est une initiative pilotée par le Vatican. Elle a été inspirée par le pape François en 2015 à travers son encyclique Laudato Si, qui nous encourage tous à prendre soin de notre maison commune. C'est à la fois un outil et une communauté grandissante à votre service dans ce parcours vers une écologie intégrale. Ainsi, chacun d'entre nous a son histoire. Et à Indianapolis, aux États-Unis, nous avons fait plusieurs choses pendant l'année écoulée, et vous également, vous avez vos histoires et vos expériences que vous avez partagées sur la plateforme. Et j'aimerais faire part de la vision qui nous anime. Avant la plateforme, je crois que chacun d'entre nous était très actif, mais nous étions comme un grain de sable dans la mer qui créait quelques petites vagues et qui influençait notre environnement direct de quelques petites manières, mais aussi de manière considérable. Mais nous savons que seuls, nous n'avons pas beaucoup d'impact, car parfois, nous n'avons pas les ressources ou alors nous perdons même notre inspiration car nous pensons être seuls. Cependant, lorsque nous coordonnons nos efforts ensemble, des choses magnifiques se produisent. Nous renforçons les ressources des uns et des autres avec des idées et avec de l'encouragement. Et ces petites vagues deviennent des petits courants qui se dirigent dans la même direction. Et certaines de ces vagues ont un effet multiplicateur qui font qu'elles deviennent des inondations positives. Vous pouvez devenir comme ces grosses vagues qui inondent et trempent tout sur son passage et transforment. Donc, cette unité est une vision magnifique. Et cette année, nous avons commencé à voir les effets de cette vague, vu que chacun d'entre nous, vu que de plus en plus de personnes joignent la plateforme et entreprennent des projets internationaux. Alors, qui sommes-nous? C'est quoi la communauté de la plateforme d'action Laudato Si? Je pense que la majorité d'entre nous sont des catholiques à travers le monde qui ont été touchés par le message de Laudato Si. Et plusieurs d'entre nous étaient déjà impliqués dans ce travail depuis des décennies, moi le premier. Et pour être plus efficaces, nous devons nous considérer comme des connecteurs d'individus qui créent des réseaux et des relations, et pas que des petits réseaux. Ou alors, nous pouvons agir en tant que constructeurs de ponts entre des situations difficiles, car parfois nous avons besoin de soutien hiérarchique ou de ressources financières ou alors même de temps. Et pour la période que nous sommes en train d'entamer, nous pouvons nous voir comme tisseurs de communautés qui créent des relations de valeur à travers les secteurs dans lesquels nous participons dans nos rôles d'animateurs Laudato Si, afin de créer cette riche tapisserie de communautés authentiques. Prochaine diapo.
Donc, la plateforme d'action est un outil, mais c'est également une communauté et un moyen de rester honnête vis-à-vis de cette pression qui nous permet de continuer à avancer. Ça nous permet de voir les progrès que nous faisons petit à petit face à une culture qui ne veut pas que nous réussissions. C'est une culture qui est parfois égoïste et parfois nous sommes nos propres ennemis. Ainsi, la terre, les pauvres et les générations à venir sont les trois piliers qui alimentent notre motivation. La terre vit dans une situation de nécessité et les jeunes demandent qu'on agisse. Prochaine diapo. Ainsi, lorsque nous invitons les gens à s'inscrire, qu'est-ce que nous leur disons? Nous leur disons que nous avons tous des idées dans des domaines différents. Quand nous nous inscrivons, nous mettons en commun nos ressources pour agir. Et même lorsque nous agissons pour les enfants ou nos petits-enfants, ou alors parce que nous pensons que cette plateforme est une manière d'avoir un impact mondial à travers cette masse critique et à travers ces actions locales. Pour moi, cette année écoulée a été enrichissante car cette communauté mondiale d'esprits similaires et de croyants animés d'un même esprit m'a permis de continuer d'avancer. Et ça nous donne également un sens, ça donne du sens à notre vie et de la joie. Car nous comprenons que ce qui nous importe, importe à Dieu également. Et les voix qui s'élèvent ne peuvent pas être mises sous silence. Prochaine diapo. Et nous avons des objectifs et des secteurs d'action. Si vous étiez avec nous pendant l'année écoulée, vous connaissez nos objectifs. Nous sommes divisés en plusieurs secteurs, certains secteurs artificiels, mais avec un objectif, car nous croyons que cette communauté mondiale catholique peut créer du changement dans ces secteurs-là, que ce soit dans les paroisses et les diocèses qui, selon les qui forment les structures de l'Église, que ce soit dans le domaine des familles ou dans les congrégations religieuses. Et je dirais même que j'aime ce secteur au milieu, le secteur des ordres religieux, car ce sont des petits moteurs qui font fonctionner les plus grands acteurs et les acteurs les plus forts de notre cause. Et nous avons des groupes de travail dans notre comité directeur. Et ils nous offrent conseils et leadership dans notre cheminement. Et j'aurais aimé citer tous ceux qui ont participé à notre travail pendant toute cette année, pendant tout ce processus un peu saccadé. Saccadé car il est historique. Nous avons eu plusieurs volontaires qui ont offert de leur temps, de leur énergie, de leurs ressources. Et nous voulons leur dire le plus grand merci pour leurs efforts. Que ce soit leurs efforts matinaux et tard dans la nuit. C'était vraiment difficile, mais c'était aussi une occasion de joie. Nous vous remercions aussi d'avoir partagé vos idées, votre culture et vos préoccupations. Rien n'a été perdu et je vous remercie pour le travail que vous faites et que vous avez fait. Alors, je vous invite à célébrer et nous avons beaucoup de choses à célébrer. Et nous avons un message d'un invité particulier adressé au monde entier.
Chers frères et sœurs, demain nous allons célébrer le premier anniversaire du lancement de la plateforme d'action Laudato Si, qui promeut la conversion écologique et un mode de vie durable. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette initiative, près de 6 000 personnes, y compris des familles, des associations, des entreprises, des organisations religieuses et des institutions culturelles et de santé. C'est un grand commencement d'une aventure de cette année qui vise à répondre à la clameur de la terre et la clameur des pauvres. J'encourage cette mission pour le futur de l'humanité, car je pense que ça peut encourager tout le monde à agir pour la protection de la création. De la même manière, j'aimerais vous rappeler la COP 27, le sommet sur le climat qui prend place à l'heure actuelle en Égypte. Je souhaite que nous puissions agir avec courage et détermination en accord avec les accords de Paris dans ce cadre. J'applaudis, je suis en train d'applaudir comme si j'étais sur la place Saint-Pierre. N'est-ce pas fantastique? Si vous vous demandiez si le pape suit notre travail, je pense que là, vous avez votre réponse. Et à travers le dicastère, je sais qu'il continue de nous suivre et il continue d'envoyer, c'est de prier pour tous les catholiques qui travaillent dans ce domaine-là. Alors, la célébration continue. Ici, vous avez la couverture du rapport annuel de la plateforme d'action Laudato Si. C'est juste une collection des temps forts de tout ce que nous avons accompli. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser pour expliquer aux autres votre motivation vis-à-vis de cette plateforme. Et j'aimerais lire ce message du cardinal Cheney, du dicastère pour la promotion du développement humain intégral. Et je pense que c'est un message important. Soyons confiants en cet appel spécial que chacun d'entre nous vit et en la nature crucial de notre mission commune, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de couardise ou de timidité, mais un pouvoir d'amour et de self-control. Ce n'est que qu'à travers des actions audacieuses, coordonnées et continues, basées sur la conversion, que nous allons pouvoir continuer d'accomplir le travail que Dieu a commencé en nous et qu'il nous a confié. J'aime ces paroles car elles nous invitent ou elles nous mettent au défi à ne pas être des lâches dans notre travail. Certains, parfois, nous sommes trop prudents, vous savez. Ça nous encourage également à être audacieux et coordonnés. Sans coordination, même avec la plus grande énergie, nous perdrions dans ce travail. Donc, nous remercions le cardinal Michael Mancini qui nous rappelle cela. Alors, voici quelques chiffres. Mais comme vous le savez, les chiffres ne racontent pas tout. Ça ne nous parle pas du qui, du pourquoi et du quoi. Mais avec un nombre de 2 500 000 personnes touchées, nous voyons que c'est un début magnifique et ce chiffre n'inclut pas les diocèses qui sont enregistrés, les 350 paroisses, les 700 écoles, les 180 universités. Si nous ajoutions ces chiffres, nous avoisinerions les 15 millions de personnes touchées. Nous avons aussi touché des milliers de familles. Il s'agit de 8 425 individus au sein de familles. Et donc, nous vous remercions pour tout ce travail que nous avons commencé. Il s'agit là
d'un bon début à célébrer et qui va nous permettre d'entamer cette nouvelle année. Nous célébrons aussi notre connexion internationale, notre connexion mondiale. Vous pouvez voir sur cette carte où nous sommes actifs. Nous sommes actifs en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Asie. Nous pouvons voir qu'il nous reste du travail à faire. Avec 1,3 milliard de catholiques, nous devons augmenter notre portée. Mais nous devons quand même célébrer cette victoire, même si c'est une petite victoire. Célébrons également notre partage, le partage des réflexions qui ont été téléchargées sur la plateforme. Tout le monde ne l'a pas fait, mais ces réflexions se retrouvent à travers plusieurs secteurs. Ce sont des perles à lire. S'il vous plaît, prenez du temps pour vous connecter sur la plateforme et lire ces témoignages, car ils vous inspireront. Il s'agit là de l'ingrédient secret de la plateforme d'action Laudato Si. Partager nos histoires, nos témoignages et nos rêves avec les autres. Je me rappelle d'un témoignage d'un groupe de sœurs bénédictines, et après avoir lu ce témoignage-là, j'ai voulu être bénédictin moi-même à cause de leur charisme pour la création. Chacun d'entre nous a un don et il n'a pas à être grand causer le changement. Nous devons aussi célébrer les plans que nous avons mis sur la plateforme cette année. Plusieurs plans ont été partagés avec les autres sur la plateforme et plusieurs personnes ont également partagé les actions qu'ils ont menées. Et certains ont vraiment mené des actions très simples, très directes. Et toutes ces actions sont la bienvenue. Et maintenant, nous allons célébrer quelques actions à travers le monde. Nous avons reçu des témoignages inspirants de manière régulière. Je vais en partager quelques-uns. Nous en avons un de Thierry Batty, une île en Océanie. En réponse à l'encyclique Laudato Si du pape François, les missionnaires du Sacré-Cœur ont mobilisé les jeunes pour planter des graines d'une plante qui joue un rôle vital pour l'habitat marin. Prochaine diapo. Dans une ville, la ville de Tiruchirappalli en Inde, désolé pour la prononciation, une activité vis-à-vis de la sécurité alimentaire est menée et cela se base sur les réflexions partagées sur la plateforme. Les sœurs Osaria, Marie, Sylvie, coordinatrices de cette action, elle a organisé une formation sur l'élevage d'abeilles. J'aime ce témoignage car mon père aimait beaucoup parler de l'importance des abeilles. Aux États-Unis, une chapelle en Caroline du Nord soutient des programmes de soulagement alimentaire et les programmes d'énergie durable et d'accès à l'eau potable, et contribue aussi à aider les réfugiés, les personnes déplacées, ainsi que les victimes des catastrophes naturelles. C'est ce témoignage, vous pouvez le trouver sur cette plateforme. L'année passée, cette paroisse a levé des milliers de dollars pour leurs activités. Merci beaucoup à la paroisse Saint-Thomas, en Caroline du Nord. En Afrique du Sud, pour commémorer l'Assomption à la cathédrale Christ-Roi de Johannesburg, l'évêque Bouti Kagali a planté un arbre qu'il a arrosé en signe d'espoir et il a terminé par la prière Laudato Si du
pape François, une prière pour notre terre. Ensuite, une deuxième activité de reposement a eu lieu à la paroisse Saint-Pierre, en signe de paix. Prochaine diapo. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Cette année, j'ai plus d'espoir que j'en avais l'année dernière. Tout ce que vous avez fait me remplit d'amour et de gratitude envers Dieu. Toutes ces expériences et toutes ces activités nous donnent matière à espérer. Alors, que pouvons-nous partager avec les autres? Nous pouvons partager nos histoires à travers le rapport annuel. Nous pouvons partager notre cœur. Notre cœur inspire les gens. Et il s'agit du travail que nous avons accompli seulement en un an. Et voici quelques publications qui seront quelques publications du Dicaster qui seront disponibles à travers le monde et qui vont nous aider à mieux coordonner nos activités. Sur ce, félicitations à tous. Continuons cette célébration et puissions-nous commencer notre prochaine phase avec beaucoup d'espoir. Merci. Merci John, j'applaudissais aussi depuis l'Argentine. Et toutes ces histoires que vous partagez et qui vous proviennent à travers le monde, je suis sûr que ça offre de l'espoir à plusieurs personnes dans le monde et nous donne des raisons de célébrer. Et nous avons hâte d'avoir plusieurs magnifiques années pour cette plateforme. Et pour continuer cette activité, je vais inviter le père Jastrom Kure Tadam, qui est consultant théologique pour la plateforme d'action Laudato Si et membre du Dicaster pour la promotion du développement humain intégral, qui va nous faire part d'une réflexion théologique concernant la plateforme. Merci Maria. Bonjour et bonsoir à tous. Je suis vraiment heureux de prendre part à cette réunion et de faire partie de cette famille. J'ai eu la chance de me tenir à quelques mètres du pape François hier lorsqu'il parlait de l'anniversaire de la plateforme d'action Laudato Si. Le pape François nous a donné l'encyclique et il nous a donné l'année Laudato Si et ainsi que le film Laudato Si. Il nous a donné tellement de choses, le jardin Laudato Si également. Et le fruit le plus beau du Laudato Si est la plateforme d'action Laudato Si. Et cette plateforme a été conçu pendant près de 3 ans et le pape François lui-même a annoncé la plateforme d'action Laudato Si le 25 mai 2021. Il a ouvert les inscriptions l'année passée en novembre et c'était vraiment une joie d'être invité pour célébrer ce premier anniversaire. Je suis heureux de vous faire part de cette réflexion théologique et merci pour cette diapo. Et le travail que nous faisons, c'est un travail d'évangélisation. C'est notre vocation en tant que chrétien, car Jésus nous rappelle d'aller annoncer l'évangile à chaque créature. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que la plateforme Laudato Si, la plateforme d'action Laudato Si est faite. Alors, la plateforme
L'action là date aussi à plusieurs dimensions. La première dimension est la préoccupation pour notre maison commune. Et le passage de l'évangile qui m'inspire, c'est Jean, chapitre 2, verset 17. Dans ce passage, Jésus chasse les marchands de la maison de son père qui ont transformé la maison de son père en lieu de débauche, en lieu de vol. Et ce passage nous montre la colère de Jésus. Et je pense que c'est ce qui doit nous toucher en ce moment, car nous détruisons notre maison commune. Je suis en direct de l'université dans laquelle j'enseigne et tout récemment, je parlais à mes étudiants de la compagnie Total qui a un projet de pipeline en Afrique de l'Est. Et en quelques mois, ils y ont investi des milliards. Et cela pour détruire notre maison commune. Nous devons être ancrés. Nous devons être ancrés intérieurement, mais aussi extérieurement. Et nous devons vraiment être préoccupés par l'état de notre maison commune. La deuxième dimension, c'est celle de la contemplation. Et le pape François parle régulièrement de contemplation. Il nous rappelle que nous devons nous rappeler que la planète de Dieu est sacrée. Elle nous a été confiée en tant qu'intendant. Prochaine diapo. Dans la prochaine diapo, nous voyons ce passage du livre d'Exode où Dieu demande à Moïse d'enlever ses sandales car le lieu où il se tenait était une terre sacrée. Et nous devons nous rappeler que la création de Dieu est sacrée. Et j'ai choisi l'image des communautés indigènes, car aussi il y a des gens qui peuvent nous enseigner que la terre est sacrée, que nos communautés sont sacrées, que nos relations sont sacrées, c'est bien les indigènes, comme nous les appelons. Donc c'est un niveau de contemplation que nous devons nous rappeler. Dans Colossiens 1, chapitre 16, et dans Éphésiens, l'Écriture nous rappelle que toute la création, toutes les créatures doivent être réconciliées avec Dieu. Donc la création est quelque chose de sacré, quelque chose qui doit être restauré, préservé et respecté pour le salut universel. Et la première attitude que nous devons adopter pour répondre à cet ancrage interne est la contemplation. La deuxième attitude à avoir, prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci Maria. C'est la compassion. Nous devons écouter les trois clameurs. La clameur des pauvres, la clameur de nos enfants qui sont en train de protester. Il y a quelques semaines, je lisais un article des sœurs internationales qui nous rappelait que l'option préférentielle pour les pauvres d'être élargie comme option préférentielle pour la vie, surtout pour la vie menacée, la vie de nos frères et sœurs, la vie de nos enfants, la vie des générations à venir. Prochaine diapo, et la vie
de toutes les créatures de Dieu. Et nous savons qu'il y a tellement de souffrances. Et nous sommes tous appelés à répondre ou à réagir face à cette souffrance. Nous devons répondre à ces clameurs et nous devons travailler avec Dieu. Dans Exode, le Seigneur dit, « En effet, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs cris à cause des esclavagistes. » Donc, il s'agit là de la compassion. La compassion de répondre à cette clameur, à ces cris. Une autre attitude que nous devons adopter, c'est de créer un mouvement circulaire depuis les périphéries. Dans Matthieu 5, on nous dit « Béni soit Dieu, les doux et humbles de cœur, car ils hériteront de la terre. » Et en novembre, en ce mois de novembre, nous célébrons notre premier anniversaire et je crois que c'est un cadeau. Beaucoup d'entre vous, dans les groupes de travail, dans le comité directeur, vous savez que nous voulions initialement lancer la plateforme en octobre de l'année passée, mais à cause de plusieurs choses, nous avons dû le faire le 14 novembre. Mais cela, je pense que c'était pour une raison. Et je pense que notre planète sera sauvée par les doux, par les humbles, par les pauvres de cœur. Et les mouvements circulaires commencent depuis la périphérie pour aller vers le centre. Et c'est ce que nous essayons de faire avec la plateforme d'action Laudato Si. Nous partons des périphéries afin que ces périphéries puissent devenir le centre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Luc, chapitre 21, Jésus la dame qui avait donné quelques pièces comme offrande avait été reconnue comme Jésus, comme celle qui avait donné le plus. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les actions les plus petites, tant qu'elles sont menées avec beaucoup de cœur, sont très importantes. Et pour continuer, j'aimerais dire que nous devons continuer de développer cette masse critique afin de pouvoir causer ce changement à travers la passion, à travers la contemplation. Et le passage de l'évangile qui m'a inspiré, c'est celui de Jean chapitre 6, où vous savez la scène du miracle de la multiplication. Des milliers de personnes ont été nourries. Et à partir de 2 poissons et 5 pains, plusieurs personnes ont pu être nourries. Et les disciples avaient demandé à Jésus, « Maître, comment allons-nous nourrir autant de personnes juste avec ça ?» Et c'est de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons de la masse critique. Et la masse critique que et pour atteindre cette masse critique, nous devons atteindre 25% de l'humanité. Mais je crois qu'avec les autres religions, nous pouvons parvenir à cet objectif. Est-ce que nous pourrons nous multiplier le nombre de membres, le nombre de personnes que nous touchons par 7?
Je le crois. Nous pouvons chacun d'entre nous toucher sept individus supplémentaires. Chaque famille peut toucher sept autres familles. Chaque université peut toucher sept autres universités, sept autres entreprises, sept autres organisations religieuses, etc. Je parle de sept unités supplémentaires, car chaque année, nous pourrions nous multiplier par multiplier le nombre de membres, le nombre de personnes inscrites sur la plateforme par 7. Et je vais terminer sur la dernière diapo en concluant que nous sommes embarqués dans une aventure de croissance et de multiplication par 7 chaque année, au minimum, afin de parvenir à cette masse critique nécessaire pour la transformation sociétale radicale dont le pape François parle dans l'art aussi. Et la toute dernière diapo nous rappelle que nous marchons sur le chemin synodal. Il s'agit vraiment d'un chemin synodal que nous devons tous suivre en tant que famille mondiale. Donc, ce sera tout pour cette réflexion. La préoccupation, la contemplation, la compassion, le mouvement circulaire, la masse critique. Je vous remercie tous de prendre part à cette plateforme et d'être des apôtres de cette plateforme d'action Laudato Si. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Père Josh, pour cette belle réflexion et pour vos mots d'encouragement pour la plateforme d'action Laudato Si. Et maintenant, nous allons écouter trois témoignages de trois différentes régions et secteurs de participants et de promoteurs de la plateforme d'action Laudato Si. Ils vont nous parler de leur cheminement et de leur expérience sur la plateforme et des avancements qu'ils font vis-à-vis de l'écologie intégrale. La première personne, c'est l'évêque Shane McKinley du diocèse de Sandhurst, président du conseil plénier du comité directeur de l'Église australienne et membre du conseil plénier australien. Il va nous parler des actions qu'ils ont menées vis-à-vis de l'écologie intégrale et de la plateforme d'action Laudato Si. Lorsque l'encyclique Laudato Si a été publiée par le pape François en 2015, nous l'avons accueillie en Australie comme un document qui évoque plusieurs préoccupations que nous avions vécues pendant plusieurs années ici à cause du changement climatique et qui a affecté notre manière de vivre les uns avec les autres. Et c'est quelque chose qu'il a décrit en termes d'écologie intégrale qui a été introduit par le pape Benoît XVI et qui a été continué par le pape François dans Laudato Si et dans Fratelli Tutti. Il s'agit du fait de savoir que nous sommes interconnectés et interdépendants à travers le monde. Et tout ce que nous vivons affecte l'écologie et c'est quelque chose que nous voyons à travers les impacts du changement climatique, surtout chez ceux qui sont les plus vulnérables, les plus marginalisés. Et en réponse à cela, et dans l'appel de Laudato Si à réagir, nous avons publié l'année passée le document intitulé Clameur de la terre, clameur des pauvres, Cry of the earth, cry of the poor, qui commence par l'écoute des personnes indigènes, ceux qui vivent dans des domaines sociaux, économiques un peu plus bas, ceux qui vivent dans des endroits qui sont vraiment affectés d'un point de vue agricole et d'un point de vue
économique par le changement climatique. Donc, il s'agit de commencer par écouter les voix de ces personnes les plus affectées et ensuite de réfléchir en nous basant sur les traditions chrétiennes et ensuite d'agir comme Laudato si le fait. Les actions que nous avons décidé de faire à travers ce document étaient d'introduire était de changer le nom de notre bureau en Bureau de justice, écologie et paix. Nous nous lançons dans une aventure de 7 ans et en développant un plan d'action Laudato si. Et tout cela a pris forme lors du conseil plénier australien en juin, dans lequel nous nous sommes penchés sur les préoccupations écologiques. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et ensuite, nous avons mené des consultations qui ont en réalité commencé il y a 4 ans. Et nous avons compris que l'une des préoccupations principales du peuple australien, c'est de répondre aux préoccupations écologiques et l'engagement à agir. Ainsi, le Conseil plénier s'est engagé envers chaque organisation catholique en Australie, les paroisses, les écoles, les institutions sanitaires, tous les domaines dans lesquels nous pouvons intervenir à travers les plans d'action Laudato si, qui sera mise en œuvre pendant les années à venir et qui ont mené à d'autres plans d'action qui ont été développés dans d'autres domaines. Et donc, nous avons hâte et nous sommes enthousiastes de voir toutes ces actions dans mon propre diocèse et dans ma paroisse. Nous avons déjà plusieurs actions qui sont menées et davantage d'actions sont progressivement et systématiquement programmées et menées à travers le soutien de la plateforme d'action Laudato si. Ça permet de mettre en œuvre le plan d'action Laudato si afin que nous puissions soutenir le développement de toute la création dans cette écologie intégrale dont le pape François a magnifiquement parlé dans Laudato si. Merci, Monseigneur McKinley, pour le travail que vous faites en Australie. La prochaine présentatrice est la sœur Borja, conseillère générale pour la pastorale des jeunes de l'Institut des filles de Marie et des chrétiens. Elle va nous parler du travail que les sœurs, que les filles de Marie font. Bienvenue, ma sœur. Merci. Premièrement, j'aimerais remercier le dicastère pour le développement humain intégral et le mouvement Laudato si pour cette invitation à parler de notre parcours sur la plateforme d'action Laudato si. L'Institut des filles de Marie et des chrétiens, fondé par Jean Bosco et Sainte Marie Domenica Mazzarello, est une congrégation religieuse de femmes. Nous avons une passion, l'éducation à l'écologie intégrale des jeunes, particulièrement celle des femmes et des jeunes qui sont les plus vulnérables. Nous sommes présents sur 5 continents et dans les périphéries et dans les lieux les plus abandonnés. Prochaine diapo, l'engagement envers l'écologie intégrale nous demande de réagir fidèlement et avec créativité afin de revisiter nos charismes, afin que ceux-ci s'expriment dans notre vitalité.
La plateforme d'action de la Wadat aussi est l'une des manières de répondre à la recherche de sens, la perte de joie et l'avènement du désespoir, surtout chez les jeunes. En 2019, notre institut, la Coordination mondiale pour le ministère des Jeunes, a invité les communautés éducatrices à prendre part au projet Ensemble nous pouvons, afin de pouvoir vivre la date aussi en mettant en œuvre la conception du la méthodologie de la conception pour le changement. Et 5 projets du Brésil, du Chili et de la Colombie ont été présentés au sommet mondial des enfants en 2019. Nous exhortons les communautés éducatrices à systématiser leurs expériences vécues sur l'écologie intégrale. En 2021, nous avons rassemblé 2 volumes, 299 projets et initiatives d'activités et de processus lancés à travers le monde. Depuis 2020, 2 filles de Marie aident des chrétiens, des promoteurs de la commission Justice et Paix, ont été impliqués dans le travail dans les groupes de travail de la plateforme d'action Laudato Si. Le secteur du ministère des Jeunes a organisé plusieurs webinaires pour nos groupes et pour nos provinces afin de présenter la plateforme d'action Laudato Si et explorer un nouveau paradigme et la perspective de l'écologie intégrale et mieux élaborer la plateforme d'action Laudato Si. La proposition de la plateforme d'action Laudato Si a été accueillie avec enthousiasme dans notre institut. Notre maire général a exprimé à travers sa lettre circulaire 1022, et je cite, Faire face à l'avenir et nous préparer avec sagesse est nécessaire si nous voulons travailler en tant que communauté éducatrice dans un réseau constamment croissant dans l'Église, dans la société, en synergie avec d'autres institutions, avec les groupes de la famille salésienne et avec d'autres congrégations religieuses et avec d'autres vocations. En plus, le chapitre général 23, tenu à Rome en septembre 12, a tenu la délibération suivante. L'assemblée du chapitre a permis s'est permis de se lancer dans cette aventure pour la conversion écologique et a adopté les 7 objectifs de Laudato Si comme réseau et comme esprit de système préventif. Quelques moments forts du Conseil général. Le premier engagement du Conseil concerne la conversion écologique de l'Institut, à travers, premièrement, le développement d'une politique institutionnelle pour une écologie intégrale. Deuxièmement, la création d'une commission internationale. Et en troisième lieu, la mise en œuvre de l'adhérence à la plateforme d'action Laudato Si. Le deuxième engagement vise la conception, la mise en œuvre et l'accompagnement des avenues de formation sur l'écologie intégrale et le pacte mondial pour l'éducation. Notre engagement est celui de la révision de 2 documents fondamentaux, celui du projet de formation et celui des lignes directrices pour la mission d'éducation. Un autre moment fort, désolé, vous pouvez changer la diapositive. Nous avons mené un atelier de travail qui nous a permis de poser les bases d'accompagnement de plusieurs instituts vers l'écologie intégrale à travers les systèmes de prévention. Prochaine diapo, s'il vous plaît. À travers une vidéo publicité qui a été produite en 5 langues, l'Institut invite plusieurs personnes à prendre part à cette plateforme et 800
70 lettres d'adhérence ont déjà été envoyées et envoyées vers la plateforme. Et il y a des provinces qui sont en train de mettre en œuvre le plan d'action, pendant que d'autres ont été invités à développer le plan au niveau local et à s'enregistrer localement. Pour la première année de la plateforme, notre institut a publié en tout 40 plans d'action. Et le mouvement pour l'écologie intégrale continue. En plus des webinaires à travers le monde et du partage des bonnes pratiques, désolé, l'institution a mené des enseignements sur l'éthique de la protection, l'écologie intégrale et le monde du numérique. La plateforme d'action Laudato Si nous a stimulés dans nos choix charismatiques. Prochaine diapo. Par exemple, au Soudan du Sud, un projet entièrement féminin concernant l'agriculture a été développé pour la promotion et l'émancipation des femmes en situation de conflit. Conflit au Bénin, la création de l'école alternative Saint-Joseph et des espaces d'éveil ont été créés afin de prévenir les risques d'exploitation et la délinquance juvénile. En Éthiopie, notre institut, la formation Marie-Aide, l'institut de formation de Marie-Aide est le résultat d'une coopération avec le Fonds de solidarité globale. En Angola, avec les jeunes, nous avons créé une réserve écologique comme un lieu de sauvegarde de création et espace de prière. Au Brésil, nous avons le projet Abeille verte. L'objectif de ce projet est de promouvoir et de respecter les droits de l'homme et l'environnement. En Colombie, le projet I Generate Eco Awareness, Your Hands on My Voice and Together We Can Generate Change est une expérience vitale. Au Chili, à travers le projet Patio Cultivable, l'Institut Polytechnique Maria Auxiliatrice a pu mener des actions pour la sécurité alimentaire en Uruguay. Le projet Fearless al Creador cherche à sensibiliser à Laudato Si et aux actions concrètes. En octobre, près de 400 jeunes personnes de communautés éducatrices se sont réunies en ligne pour parler et pour élever les voix de la création. En Corée, le programme d'éducation spirituelle et écologique pour les enfants âgés de 3 à 5 ans a vu le jour. Aux Philippines, les communautés éducatrices se sont lancées dans des campagnes afin d'aider des familles affectées par les typhons et d'autres désastres. Il y a vraiment une très grande dimension d'éco-spiritualité et de réponse à la clameur des pauvres, particulièrement dans la fondation Laura Vicuña. Et 7 provinces en Inde se sont lancées dans l'éducation écologique afin de promouvoir l'éthique qui encourage la coopération et d'autres activités profitables qui respectent la nature. Il y a également des campagnes actives concernant les problèmes écologiques. En Sicile, le Circolo Laudato Si Etnamain a célébré le temps de la création 2022 à travers plusieurs provinces siciliennes. À Conegliano Treviso, la communauté de la plateforme Immacolata de Conegliano a vécu cette expérience en accord avec l'encyclique Laudato Si. Et Piémont, en Italie, a reçu son premier prix.
Le secteur de la famille salésienne a lancé des projets pour les soeurs, les filles de Marie-Aide des chrétiens, pour une écologie intégrale et pour l'éducation des nations dans toutes les parties du monde. Les crises d'aujourd'hui nous appellent tous à être créatifs, audacieux et à travailler sans relâche afin de créer les changements nécessaires et les Pour créer les changements nécessaires, nous avons besoin de travailler ensemble. L'éducation est essentielle et c'est un travail synodal, enraciné dans la protection de la vie et dans la mission Marianne. Il s'agit là des mots de la mère Chiara Cazzola. Je conclurai en rappelant que l'éducation a sa place dans tous les processus écologiques et dans les décisions qui affectent les jeunes et les générations à venir. Le 24 mars 2022, le pape François, lors d'une audience, a dit ceci: les jeunes font preuve de sensibilité, et d'intérêt envers l'écologie. Il y a un grand champ disponible pour l'éducation ici, car malheureusement, la mentalité mondaine pollue également l'écologie, la réduit et la rend idéologiquement superficielle. Cependant, l'horizon divin est celui de l'écologie intégrale qui nous tient ensemble. C'est qui tient ensemble la clameur de la terre, la clameur des pauvres. En gros, personne n'est né seul le gardien de la création, mais nous le devenons tous à travers notre parcours éducatif. Et comme vous le savez, le pape nous invite à être des éducateurs pour les jeunes. Et comme eux, être des promoteurs d'un monde plus durable pour le bonheur de tous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, ma sœur. Nous sommes inspirés par l'engagement de votre congrégation dans le monde à travers plusieurs secteurs de la plateforme. Notre dernière présentatrice, c'est Barbara. Barbara Coupard, directrice du service écossais pour l'éducation catholique. Bienvenue, Barbara. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous avons lancé notre projet pour les écoles Laudato Si en Écosse au même moment où nous célébrions le 5e anniversaire de Laudato Si. Et nous nous sommes penchés là-dessus et nous avons décidé de nous focaliser sur trois choses. Nous avons décidé. Vous pouvez voir sur notre première diapo notre logo. Alors, quel était notre processus de réflexion? Dans la prochaine diapo, vous pouvez voir que dans l'Évangile, nous voyons que lorsque on a demandé quel était le commandement le plus important, Jésus a dit de manière très claire qu'il s'agit du commandement que nous devons, le commandement suivant, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, après avoir aimer Dieu de toute notre pensée, de toute notre force, de toute notre âme. Et la prochaine diapo nous montre que nous avons pris cette section de l'Évangile et nous avons résumé cela comme aimer Dieu, nous protéger les uns les autres et protéger le monde. Alors comment cela se fait? Dans la prochaine diapo, vous pouvez voir que nous nous inspirons de ce que le Saint-Père nous dit. Il nous dit que nous avons reçu cette terre et nous ne pouvons pas la laisser désertée à nos enfants.
À la prochaine diapo, nous voyons comment nous avons connecté tout ceci avec l'éducation. Nous avons mis sur pied ce que nous appelons l'éducation écologique dans les écoles. Nous essayons de trouver un, nous essayons de d'inclure les questions gouvernementales, politiques et tout. Et nous essayons de faire en sorte que tout ceci soit un cheminement. Et nous essayons de faire en sorte que les écoles, Laudato si, en Écosse, puissent aborder des sujets comme la durabilité écologique, mais aussi de faire en sorte que les écoles, les étudiants, les élèves puissent mettre en œuvre ce qu'ils apprennent. Nous avons des programmes de plaidoyer et d'action et des apprentissages en extérieur. Et nous veillons à ce que les jeunes puissent faire entendre leur voix sur la pauvreté, la discrimination et la vulnérabilité. Et donc, nous avons pris ce que le Saint-Père a dit dans Laudato si et au-delà. Et dans la prochaine diapo, vous pouvez voir les valeurs que nous avons essayé de mettre au cœur de notre projet scolaire. Ce sont des petits pas, mais ce sont des petits pas qui aident beaucoup les jeunes. Nous ne voulons pas que les jeunes soient l'Église de demain, mais l'Église d'aujourd'hui. Et nous savons que la plateforme d'action Laudato si incorpore les universités, les entreprises et d'autres choses. Et nous avons décidé de travailler avec les jeunes, de leur enseigner l'amour de leur prochain, l'amour de Dieu. Et la prochaine diapo. Et donc, nous essayons de leur faire comprendre la dimension humaine et de leur enseigner d'être là, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour les autres personnes à travers le monde. Et donc, ce sont là les choses qui nous tiennent à cœur. Dans la prochaine diapo, vous pouvez voir que tout ceci est enraciné dans quatre aspects. Nous avons pris la plateforme d'action Laudato si. Et si vous pouvez passer à la prochaine diapo, vous verrez que nous avons incorporé les objectifs Laudato si. Et nous nous focalisons particulièrement sur l'objectif numéro 5, qui est celui de l'éducation. Et ensuite, vous pouvez voir que dans le programme scolaire, ce que nous voyons, c'est que afin de réaliser les objectifs, nous devons commencer par l'éducation. D'autres personnes peuvent commencer ailleurs, mais tout ceci contribue directement à la plateforme d'action Laudato si. Alors, comment procédons-nous? Dans la prochaine diapo, vous pouvez voir que nous utilisons un programme de trois parties. Nous savons que le parcours Laudato si durera 7 ans. En premier lieu, nous avons l'invitation. Comme nous le savons, la première étape chez nous, c'est offrir l'occasion à toutes les écoles de prendre part à cette plateforme. Et nous sommes heureux de voir que 80% de nos écoles sont maintenant des écoles Laudato si. Et dès lors qu'ils s'engagent, ils deviennent des écoles Laudato si. La prochaine partie est une sorte de combination. Il s'agit de l'ensemble prier, apprendre et agir. Nous nous inspirons des Écritures, nous nous inspirons de l'encyclique du Saint-Père et nous mettons tout cela en action. Et nous recommençons le cycle, nous apprenons, nous prions et nous agissons. Et c'est un cycle sans fin. Et ensuite, ce que nous leur demandons, c'est de voir comment ils peuvent contribuer à un changement positif. Et de manière annuelle, nous leur demandons de partager leurs histoires. Et bien évidemment, le changement positif est un appel à la lutte pour le changement vers le bien commun, un appel à contribuer au bien de la société. Et nous voulons que ces changements soient, nous voulons que ces changements perdurent. Et pour ce faire, nous montrons, pour ce faire, nous mettons nos capacités
en œuvre pour protéger toute vie et pour nous préparer pour un meilleur avenir de justice, de paix, d'amour et de beauté. Et nous prions pour le monde. Nous nous inspirons des paroles du pape. Nous apprenons des choses qui doivent être changées et de comment on peut les changer. Et comme je l'ai dit, nous mettons cela en action. Donc, il s'agit là d'une simple histoire qui a commencé avec le service d'éducation catholique, avec le fonds d'aide catholique et la commission justice et paix d'Écosse. Nous savons que nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous voulons contribuer à certaines choses. Et pendant les deux dernières années, nous avons eu plus de 200 écoles qui ont signé et qui sont enregistrées. Et cette année, nous avons eu notre premier festival éducatif auquel 90 écoles d'à travers l'Écosse se sont jointes à nous. Donc, je vous remercie pour la célébration aujourd'hui et j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à la plateforme d'action, Lawada Tusi. Merci, Barbara, pour le travail fantastique que vous faites en Écosse. Votre engagement envers l'écologie intégrale nous inspire. Et merci à tous pour les commentaires que vous écrivez dans le chat. Merci, Monseigneur McKinley, Sœur Unita et Barbara, pour vos témoignages. C'est, à n'en pas douter, des sources d'inspiration pour nous et un phare d'espoir. Nous espérons que cela sera utile à l'assistance et nous aimerions vraiment que vous puissiez partager cela et vos propres témoignages afin de créer cette connexion autour de la plateforme Laudato Si. Maintenant, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux de la plateforme d'action Laudato Si et de partager la vidéo et la publication récente de la célébration annuelle en utilisant le hashtag LSAP 2022. Je vous invite à publier pendant les prochaines minutes votre joie concernant cette célébration et pour le premier anniversaire de la plateforme d'action Laudato Si. Et n'oubliez pas de célébrer aussi localement chez vous. Et avant de clôturer, nous voulons conclure comme nous avons commencé. Et pour cela, je vais inviter la sœur Sheila qui va faire une prière de clôture. Merci beaucoup. C'était vraiment une expérience merveilleuse. Cher Dieu, nous te remercions pour ce moment de grâce qui nous a permis de reconnaître ta présence d'amour. Nous avons vécu une année pleine avec nos sœurs et frères à travers le monde qui agissent de manière concrète pour parvenir à des modes de vie durables à travers l'inspiration des plans Laudato Si. Ensemble, nous avons vu les graines semées qui continue de grandir avec les promesses d'un avenir rempli d'espoir pour notre planète. Nous avons écouté les voix des pauvres et essayé de répondre aux besoins et au bien-être de ceux-ci, particulièrement ceux qui fuient les zones de conflit et les conséquences des désastres environnementaux. Nous sommes tenus en solidarité les uns avec les autres. Nous avons répondu aux voix des cultures indigènes tout en mettant en valeur leur point de vue et leur sagesse et en essayant de préserver leur héritage unique. Nous avons répondu à la voix de notre mère, la Terre, et nous avons été les témoins de la beauté et de la diversité précieuse des espèces. Nous avons protégé les plantes, les animaux, de la terre et de l'océan, de l'exploitation et de la pollution. Nous avons accepté notre responsabilité pour une écologie
pour une économie écologique et nous avons travaillé au désinvestissement des combustibles fossiles et au réinvestissement dans les énergies alternatives. Nous avons promu une réponse juste aux conséquences et aux pertes dues à l'impact du changement climatique sur les pays vulnérables. Nous avons mis en avant la valeur et l'importance de la science et notre responsabilité concernant le changement. Nous avons reconnu la véracité des données concernant l'impact environnemental causé par par notre comportement. Nous avons agi en réseau avec les autres localement et dans des conférences majeures afin de promouvoir l'avancement de l'écologie intégrale qui a des impacts environnementaux, économiques, culturels et sociaux. Notre plaidoyer s'est focalisé sur la COP 27 et la COP 15. Notre foi s'est vue approfondie pendant que notre spiritualité a influencé notre action. Nous avons contemplé et prié afin de prendre des décisions. Ensemble, nous sommes invités à agir, pas seuls, mais avec les autres, afin de contribuer au changement, tout en réalisant que Dieu guide nos vies à travers ces dons d'accompagnement des uns avec les autres, en reconnaissant l'importance de l'écoute et du dialogue, en nous penchant sur de nouvelles voies, en étant des témoins de toutes les manières dont nos vies peuvent contribuer au changement et en écoutant les témoignages de ceux qui chérissent la terre et veulent construire le futur, en plantant et en arrosant. Donc, Seigneur, dans cette aventure que nous continuons ensemble, aide-nous à être tout ce que tu nous appelles à être. Rappelle-nous de ton amour tendre à travers la beauté de la création et à travers l'amour que nous exprimons les uns pour les autres. Nous sommes des planteurs et des semeurs d'espoir pour un autre monde, car nous savons que ce monde est possible. Nous allons faire tout ce que nous pouvons en tant que membres de cette famille unie pour faire de ce rêve une réalité et avec engagement empathique, nous disons Amen. Merci, sœur Sheila. Nous allons continuer de rester unis en prière et dans cette mission de protection de la création. Merci à tous pour cette célébration, d'avoir pris part à cette célébration aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà enregistré sur la plateforme d'action Laudato Si, continuez votre chemin, continuez votre parcours. Et si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur le site internet de la plateforme d'action Laudato Si et enregistrez-vous pour prendre part à cette aventure, à ce chemin de 7 ans pour l'écologie intégrale. Que Dieu vous bénisse.